Salut les bruts, bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous dire un peu où j'en suis aujourd'hui physiquement. Là, à l'heure actuelle, je suis toujours en congé. J'en profite pour faire pas mal de travaux. Je fais beaucoup de sport, je m'entraîne beaucoup. Donc musculation, je cours aussi 2 fois par semaine, des runnings, des sorties de 10 km. J'ai une diète pas mal, plutôt pas mal, donc paléo. Par contre, je m'autorise quelques écarts pour profiter aussi des congés, de la famille, de faire des sorties avec la famille. Alors, pendant mes congés, là en tout, dernièrement, la dernière fois que je me suis pesé, j'ai quasiment repris 2 kilos. J'ai repris par contre aussi 1% de masse grasse. Alors, ça va encore, c'est raisonnable, je suis arrivé à 13%. Les perfs, ils ont augmenté. Alors je vais vous montrer un peu mon alimentation actuelle. Alors aujourd'hui j'ai fait une belle découverte à côté de chez moi, une ferme qui cultive en permaculture. Donc la permaculture en fait c'est cultiver sans désherbant, sans engrais ni rien, en mélangeant les espèces pour éviter justement des œufs, des carottes. Alors forcément c'est pas calibré. C'est du naturel. Betteraves. Donc les betteraves, il faut les couper, les faire bouillir et les éplucher pour les consommer. Il paraît qu'on peut manger des branches. Je vais voir, je vais goûter, je vais voir comment ça se cuisine. Hop. Des courgettes. Alors je vous montre quelques-unes de mes assiettes. Donc régime paléo. Donc riche en protéines, en bonne graisse et faible en glucides. Les principales sources de glucides, ça va être des légumes et de la patate douce, entre autres. Alors après, pendant les vacances, j'ai aussi profité de la famille. J'ai su me faire plaisir et quelques cheat meals, surtout des glaces en été, ça fait toujours du bien. Donc je vous ai filmé aussi des trainings, donc c'est pas un seul training, c'est plusieurs clips de différents trainings et à la fin vous aurez le droit à un petit posing pour voir ma condition physique actuelle.
Alors, il y a un exercice qui a dû vous choquer, ben, c'est le tirage nuque. Donc, personnellement, j'ai voulu le retester et je ressens vraiment aucune gêne, aucune douleur. Alors, je fais gaffe, j'ai pas une trop grande amplitude. La charge est vraiment réduite. Et par contre, j'ai vraiment un bon ressenti. Alors, je l'ai intégré à une de mes séances d'eau parce que pour l'instant, je trouve cet exercice bénéfique. Mais après, chacun selon sa morphologie et autres, je vous conseille éventuellement de le tester et vous verrez si ça vous convient ou non. Alors cette vidéo, ben, elle, je l'ai aussi faite un peu à l'arrache par rapport à d'habituellement, donc c'est filmé avec mon smartphone. C'est aussi monté avec un logiciel que je teste sur mon smartphone. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si la qualité est là, si vous voyez une différence par rapport à d'habitude. Parce que je pourrais faire éventuellement plus de vidéos plus régulières. Parce qu'avec le téléphone, ça me prend vraiment beaucoup moins de temps à monter. Mais j'espère que le contenu restera quand même agréable. Alors, dans une semaine, sûrement, vous aurez droit à une vidéo où je vous ferai un petit topo d'où que j'en suis avec mes défis que je me suis lancé pour mes 40 ans. Donc, je vous expliquerai un peu le matériel et autres que j'ai acheté pour pouvoir réaliser ces défis dans des bonnes conditions. Je vous invite aussi, c'est à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens, ils sont dans le descriptif, surtout sur Facebook. Allez liker ma page Sport Brutal Joss. Vous pourrez être tenu informé régulièrement. Je mets des petites vidéos de training, je mets des photos de mes repas et je partage les livres que je lis actuellement et tout. Ça peut être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas, à aller liker cette page. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.